Sims Addict, c'est Sims ça te raconte et on se retrouve pour un nouvel épisode d'une autre Soberry avec la petite Elia. Et oui, comme vous avez pu le voir, elle a bien grandi, elle est à fond dans l'espace et je pense qu'aujourd'hui va être le dernier épisode avec notre petite Ruby parce qu'elle a accompli tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'elle a trouvé la romantique en série, elle l'a accompli, elle a également elle a accompli également le charisme, elle s'est mariée en étant âgée, elle a laissé quelqu'un devant l'hôtel, elle n'a eu qu'un seul enfant, et le dernier c'est d'atteindre le niveau 10 dans la carrière politique, et je pense que c'est pas mal parti puisqu'elle est déjà excellente, qu'elle a fait toutes les tâches pour avoir la promotion, donc je pense que aujourd'hui va être le dernier épisode consacré à la génération 2, donc bien évidemment on va finir ça en bonne et due forme et on se concentrera sur la génération 3 avec la petite Elia qui doit faire beaucoup de choses. Donc elle se concentre, comme elle est à fond dans l'espace, elle regarde grâce au télescope les petits nuages. Nous allons modifier un petit peu sa chambre puisque ce n'est plus une enfant. Donc voilà, on n'a plus d'argent, ça, j'avais pas prévu ça. Alors toi, ton cerveau exceptionnel, jamais fait cette aspiration, donc c'est quoi? Finir de lire 3 livres, ok. Atteindre le niveau 3 dans la logique, donc ça c'est très bien. Réparer ou améliorer un objet, fabriquer un objet, ok, donc ça c'est bon. Lancer ou améliorer une fusée, ok, et ok, d'accord. Donc tu viens de vieillir, donc tu as la qualité personnelle responsable, c'est pas trop mal. Tiens, arrête-toi ma chérie, parce que tu commences à être bien fatiguée. Ah, quoique non, il t'en reste pas beaucoup, j'ai même pas regardé. Ah oui, franchement, il t'en reste pas beaucoup, donc je pense que tu vas y retourner. L'un de vous, dans les commentaires, m'a dit que je pourrais faire une sorte de galerie qui représente chaque génération, et je pense que je vais le faire. Donc voici notre petite menthe, donc elle avec Tristan, et ce qui la caractérise bien évidemment, un cristal, parce que c'est un peu une scientifique, donc je pense que c'est pas mal. Je voulais même au début mettre un élément, donc j'ai pas trop envie. Et si je pensais peut-être par exemple que dans chaque génération est un trait de la génération précédente, c'est-à-dire, je ne sais pas. Je pense que, je sais pas. je sais pas quel trait on pourrait mettre, parce que normalement, il faut qu'ils aient tous les mêmes traits. Pourquoi pas la couleur des yeux? Parce que la couleur des yeux, je pense que je peux le faire. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire la couleur des yeux. Du coup, ma poupette, tu vas avoir les yeux de maman. Voilà, je vais te mettre les yeux de maman, voilà. Donc je pense que je vais faire ça, en plus ça lui va super bien. Donc je lui ai mis les yeux rouges de sa maman dans toutes les tenues. Et du coup je pense que je vais changer les yeux de ma petite Ruby, du coup qui était vert. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc là, on peut voir que la génération d'avant, c'était menthe. En plus, ça lui va bien. Et là, la génération d'avant, c'est rouge. C'est pour ça qu'il y a les yeux. Je pense que ça peut être pas mal, hein, comme une sorte d'héritage, on va dire, pour voir les précédentes générations. Un gène qui reste malgré tout. Et je pense que ça peut être bien. Et je vais continuer, bien évidemment, la petite fresque. Donc toi, tu es debout, et bien tu vas commencer, pourquoi pas, à sculpter. Ça te fera pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est mort, donc tu vas venir le jeter d'abord parce que ça pue. Qu'est-ce que discuter? D'accord, tu vas discuter avec Elia, c'est très bien. Tu peux peut-être lui parler de ta moitié, savoir comment elle prend le mariage après tout, illuminer sa journée, savoir peut-être comment ça se passe à l'école, apprendre la responsabilité, bien évidemment. Ah, non, elle n'ira pas à l'université, ma petite Elia. Même si du coup, pour Ruby, franchement, je suis bien contente d'avoir fait l'université parce que j'aurais jamais fini la carrière.
C'est une carrière que je trouve qui est assez difficile, notamment parce qu'il faut des dons, parce qu'il faut des voix des fois. Et là, le fait de ben, d'avoir fait l'université, c'était pas mal. Bon, elle a galéré beaucoup, mais au moins c'était bien. Elle a pu tout finir et ça, c'est cool. Arrête de cuisiner, ma chérie, parce que tu vas être en retard au travail et j'ai pas envie que tu sois en retard vu que c'est ton dernier jour et que normalement, tu dois avoir cette promotion. Qui es-tu pour pénétrer chez moi comme ça? Va-t'en. Juste va-t'en. Non mais sérieux, qui pénètre chez les gens comme ça? Toi, comment tu vas? Tu vas pas bien du tout. Viens regarder un film. Viens regarder un peu. Tu peux pas regarder un film. Non! Tu peux rien faire pour te distraire. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est des potions d'émotion? Non mais t'avais pas fait des potions de santé. Divertissement, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour te divertir? Tu peux jouer à rien du tout. Ça va être compliqué, ça. On peut faire quoi pour se divertir? Tu peux lire. Je sais, tu vas lire, tu vas lire. C'est très bien. Tiens, viens lire un livre au bout de la jetée. C'est bien ça. En plus, c'est très bien parce que du coup, il faut que tu finisses de lire trois livres. Donc, ça sera parfait. Ils attendent juste que Ruby revienne avec l'argent pour pouvoir payer les factures. Oui, ça y est! On a fini la génération 2! Super, tu vas venir payer les factures. Icône des œuvres caritatives. Ça, c'est super. Et en plus, elle a ramené plein de sous. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Je suis trop contente. Super, super, super. Donc, viens là, ma petite Ruby. Tu vas venir prendre un bain. Vas-y, tu le mérites. Tu le mérites. Tu vas prendre même un bain moussant. Voilà, hein, tu le mérites. T'as passé une journée horrible. Bravo. Tu as fini, c'est parfait. Tu vas pouvoir le ranger. Austin, il a trouvé du poisson magnifique. Comme ça, on va pouvoir le vendre. Eh ben, tout bien. Eh ben, nickel. On a fini la génération 2. Qu'est-ce qui caractérise la génération? Ah, mais je sais. On va lui mettre son diplôme avec ben, son petit trophée d'œuvre caritative. Qu'est-ce que tu fais debout? Je crois que c'est ça qu'elle est en train de lui dire. Je peux savoir ce que tu fais debout à 3h du matin à taper sur un marteau. Ça ne va pas du tout le faire. Donc, Elia, tu vas aller te coucher maintenant. Viens parler avec Lara, elle, pour lui demander, je ne sais pas, si elle va bien, par exemple. Parce qu'en fait, tu ne connais pas du tout ta famille. Hein. Toi, tu es papa. Toi, tu es papa aussi. Hugo, d'accord, tu es marié avec Hélène. Ok, très bien, enchantée, Hélène, je ne te connais pas, mais visiblement tu connais mon frère. Et du coup, ils ont Lucie, d'accord, et Hugo. Ok, très bien. Lara, tu étais aussi mariée avec Harley. Ok, et tu as une fille qui s'appelle Lily. D'accord, très bien. Et toi, Cara, du coup, tu es avec personne. Ok, c'est bien. C'est très bien aussi. Même en étant âgés, ils ont trop chaud tous les deux. Ils ont trop chaud. Du coup, ma petite Ruby, tu vas aller au travail. Toi, tu vas. C'est trop mignon, on dirait des petits personnages. Tu vas venir nettoyer ça et puis tu vas aller pêcher parce que maintenant c'est ta nouvelle passion de pêcher. Bon, on approche doucement, c'est pas mal, on est pas mal du tout. Compétence 6, je pense pas qu'on l'aura tout de suite. Salut ma chérie, tu peux venir me voir? Oui, vas-y, va voir ton papa parce que à chaque fois il te demande et toi tu lui dis non. Comme ça, tu vas pouvoir rencontrer. Enfin, rencontrer, non, tu vas pouvoir parler avec Cara, qui est ta belle-maman et ta tante. C'est bizarre, du coup, hein? C'est un peu dans la famille, mais bon, c'est pas grave. Allez, tu vas pouvoir lui faire un petit câlin. Ce sera très bien. Un film entre familles, c'est pas trop mignon. Partage un peu un moment avec son papa. Tu vas même peut-être pouvoir dormir ici. Ça serait bien. Passer le week-end avec papa et belle-maman, ça sera très bien. Vous allez prendre soin de vous parce que sinon vous allez être pas bien. Un petit week-end avec papa, voilà, j'ai décidé comme ça, un petit week-end avec papa. Profitez, non, ça c'est pas bien, non, ça veut dire qu'elle va bientôt mourir, non, ça j'aime pas du tout. Ça veut dire qu'elle va mourir dans pas longtemps. Non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Non, ça je veux pas. Ok, alors on va aller sur la piste.
Emprunter des skis, oui, emprunter des skis. Attention, première descente, ma petite Elia. Oui! Et c'est votre, super! Ah, ma poupette. Allez, encore une petite fois. Touche à sa fin, Austin. Mais non! Arrêtez de me dire ça, j'en ai marre, j'ai pas envie qu'ils meurent tous. Elle prend des selfies avec tout le monde et elle danse. Ah, c'est trop drôle. C'est trop mignon. Et hop, un petit check. Super. On n'est pas bien là? Regarde comment elle est bien. Si. En plus, il y a Cara. On se détend en famille. Tu vas. Oui, il va prendre une douche, tu as raison. Tu peux pas te détendre plus par là? Non. Il s'endort. Oh, mais réveille-toi, Lucas. Papa, voyons. Non mais, oh, je te jure. Allez, tu vas dire au revoir. Il est minuit, donc tu vas venir dire au revoir à Cara, enlacer, et tu vas venir dire au revoir à ton papa, qui est où? Qui est ici? Tu pourras lui faire un bisou peut-être aussi. Tu rentres à la maison. Au revoir, papa. Merci pour ce week-end. Super. Enfin, ce week-end, cette journée. Parce que c'était une journée finalement. Mais Austin et Ruby sont pas loin de la mort. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages et ça, j'aime pas trop. Alors, ma petite Elia s'est réveillée de bonne heure ce matin parce qu'il y a une idée qui lui trotte dans la tête. En fait, elle aimerait bien prendre un peu son indépendance parce que même si elle est encore en études, elle est déjà pas mal grande. Elle aimerait bien, tout simplement habiter toute seule. Donc aujourd'hui, elle va essayer de demander à Ruby son indépendance. Donc tu vas venir faire pipi. Voilà, éteindre la télé, c'est parfait. Et tu vas faire le petit déjeuner pour mettre en pleine forme ta maman. Incendie. Ah bah non, 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 Elia, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout, Elia, si t'as fait un incendie. Bon, ah bah oui, regarde, ta mère, elle sera à poil. Tu vas venir remplacer, heureusement que t'as des sous. Hein. Écoute, maman, tu sais comment je suis. Je suis plutôt une fille indépendante, mais ça me dérange pas. Je sais qu'on n'a pas une très bonne relation, mais ça me dérange pas non plus. En fait, j'aimerais bien qu'on je vive toute seule, si ça te dérange pas. J'aimerais bien être indépendante. Et tu regardes, j'ai trouvé un petit endroit trop mignon qui demande pas beaucoup d'argent. Je pourrais facilement vivre avec, par exemple, le jardin. Je peux prendre quelques graines. Je pourrais faire plein de choses. Il y a de la pêche qui est pas loin de chez moi. Est-ce que tu le veux? Écoute, si tu veux vraiment partir, je vais pas te retenir. Mais je suis triste. Oh, mais regarde cette petite bouille, c'est trop mignon. Oh, elle veut pas que sa fille parte, mais elle veut pas s'arrêter. Oh, c'est trop chou. Tu vas venir lui faire un petit câlin. Ça, tu vas pouvoir le garder. Tu vas venir garder ça également. Tu peux peut-être, du coup, prendre la photo de Mante, ça. La photo de mariage, on va la laisser, ça. Tu vas le prendre, ça aussi. Je pense que Elia déménagera quand Austin reviendra, donc à 15h, ce sera très bien. Comme ça, Austin pourra lui donner certaines choses. Dernier petit moment familial. Oh, qui c'est qui est mort? Oh non, c'est Kal-El! Oh non, Kal-El, il est mort! Oh ma petite Ruby, non! Oh mon Dieu, il est mort! Oh mais ça va pas le faire du tout! Oh mais non, c'est trop triste! Oh mais non, c'est pas le moment! Elia, elle allait déménager! En plus, elle est morte! Oh là là, mais ça va pas le faire du tout! Mais c'est trop triste, mon Dieu! Sarah! Non mais c'est pas possible, ils meurent tous! Sarah est morte aussi! Oh là là, mais elle va être anéantie, hein! Elle a bugué, ça y est, voilà, regardez, elle a bugué. Et Ruby est buggée. Ruby ne va pas bien. Ruby n'en peut plus. Ruby, calme-toi. Ruby, viens manger ton chili. Tu viens le nettoyer. Et toi aussi, viens manger. Du coup. Oh là là, mais c'est super les déménagements. Magnifique. Fantastique même. Mais Skyla, elle est morte aussi. Mais c'est pas possible. Ils meurent tous. Oh, mais c'est quoi cet épisode? Sérieux? Tout le monde meurt.
Allez, moi je voulais qu'elle y aille, parte tranquillement. Et là, tout le monde est en train de mourir. Ils vont tous mourir de chagrin. Ça va pas le faire du tout. Ah, pas encore un mort, hein. Édouard. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cet épisode, sérieux? Non, mais n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Vraiment, ils meurent tous. Ils meurent tous. Comment tu veux qu'on y arrive? Ils sont tous en train de mourir. Ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire. Je le répète encore, hein, mais ça va pas le faire. Hein. Moi, je voulais qu'elle déménage tranquillement. Et là, ils sont tous déprimés. Non! Non! Mais non, mais non, mais non, mais non, Steve, mais non, Steve a une longue vie, mais son heure est venue, il est en train de mourir de vieillesse. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, oh mon Dieu, mais non, Steve, oh, moi qui voulais faire un simple déménagement, tout le monde meurt. Oh là là, c'est horrible. Ma pauvre pupette. Oh, mon Dieu, mais c'est catastrophique. Oh là là, mais ça va pas. Tu vas pas quitter tout de suite le. Non, tu vas pas déménager maintenant. C'est pas possible. Donc, non, bah non, c'est pas possible. Donc, tu vas mettre ça dans ton inventaire hein, parce que je suis là pour toi. On peut traverser cette dure épreuve ensemble. Mais oui, bien sûr. Il est mort, Austin. Comment tu veux qu'on traverse ça ensemble? Moi, c'est trop triste. Mais non, mais ça veut dire que Ruby, elle va mourir aussi. Ils sont tous en train de mourir, moi, tout seul dans le club. Oula! Vive la philanthropie. Les affaires marchent, ou plus exactement, les collectes de fonds pour de bonnes raisons. De bonnes causes, pardon. Mais parfois, le succès peut attirer de l'attention indésirable et des journalistes commencent à poser des questions sur les économies personnelles de Ruby. Ah bah, elles sont pas très élevées, hein. Aujourd'hui, on lui a même posé directement la question: pourquoi êtes-vous autant payé alors que vous prétendez travailler pour des œuvres caritatives? Ok. Ruby sait qu'elle mérite son salaire, mais a conscience de la mauvaise image que crée cette situation. Faire un gros don personnel serait très efficace pour légitimer son travail. Ruby donnera-t-elle une bonne partie de son argent pour le bien de tous? Faire le don? Ouais, perdra de l'argent? Bah, au point où on en est. Faire un don, d'accord, mais what? Elle a plus d'argent. Mais comment tu veux qu'on y arrive? Ah ben oui, du coup, elle est devenue célèbre, mais oh, mais c'est n'importe quoi. Elle est devenue célèbre, d'accord. Bah oui, tu peux pas payer les factures, du coup, vu qu'on a plus d'argent. Rien ne va, rien ne va. Pour cette génération, franchement, rien ne va. J'avais prévu que la Ruby, elle ait son diplôme direct au pop-pop. En plus, j'avais prévu que Ruby aille vivre dans une maison super luxueuse. Et puis finalement, on se retrouve dans une toute petite maison comme ça. C'est pas bien du tout. Ça, c'est pas du tout prévu comme prévu. Mais ça, c'est trop chou. C'est comme quand elle était petite. Ok, toi, tu vas pouvoir aller faire pipi. Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Non, oh, cet épisode, ils sont tous morts. Et en plus, elle va à l'école, elle. Et voilà, c'est fini. La génération 2 est terminée. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va te mettre avec ton mari, hein. Voilà, petite photo de nos deux amoureux. C'est trop chou. Ils vivent tous les deux. Oh là là. Et ben, du coup, maintenant, ma chérie, on va pouvoir déménager. Donc, voici, on va mettre pause, le petit nid douillet que Elia avait trouvé. Alors, attendez, je vous le mets. Bon, il fait nuit, donc vous verrez pas grand-chose. Mais elle a trouvé ceci pour une bouchée de pain, vraiment. En fait, ce sont des conteneurs qui ont été réhabilités, en fait, pour pouvoir contenir une maison. Donc, grâce à la vente de la maison de Ruby et de Austin, elle a pu s'acheter cette maison et bien évidemment la meubler. Juste ici, l'entrée. Donc, une entrée très basique hein, avec porte-manteau pour s'asseoir, une petite bibliothèque,
une petite télé. Alors bien évidemment, elle a fait que de la récup, bien sûr. Donc comme on peut le voir, c'est un canapé fait avec du bois, un peu tout plein de bois, des ficelles et tout. C'est vraiment que de la récup. Elia ne veut pas dépenser des milliers des cents, hein, donc voilà, des jolies petites fleurs. Donc quand nous montons, nous arrivons dans la salle. Donc les photos qu'elle a pu prendre avec le télescope. Voici une salle à manger, une petite cuisine plutôt fonctionnelle, très mimi. Voilà, et quand on descend par ici, nous avons, voilà, la chambre que voici. Donc ici, nous avons le petit mémorial des générations. Donc la génération 1 avec Mante et Tristan. Donc je lui ai mis un cristal, des éléments et une géode, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour rappeler Mante, hein, parce que c'est quand même la scientifique. Nous avons ici Ruby et Austin, ils sont trop mignons mes pauvres loulous, avec le diplôme bien évidemment de Ruby, son trophée pour avoir réussi à collecter pas mal d'argent pour son œuvre caritative, ainsi que le rubis qui correspond à sa couleur. Du coup, la chambre qui est ici, donc on a les projets que Elia avait fait quand elle était enfant, je trouve que c'est trop chou. Une petite cheminée, nous avons ici la salle de bain, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Une petite cour, voilà, et quand on descend, nous avons le jardin, voilà. Donc un petit endroit pour se reposer et un petit endroit pour le potager pour pouvoir gagner un peu d'argent, voilà. Un petit endroit où pour construire sa fusée, donc on n'oublie pas l'objectif hein, de la génération, et son télescope, et voilà. Et du coup, ben, il lui reste pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est déjà pas mal. Je la trouve que très bien, cette petite maison. Bon, elle est toute jaune, hein, bien évidemment, parce que ça représentait Elia, donc c'est évident. Mais je trouve que ça lui va bien. Elle a presque plus d'argent non plus, hein, mais bon, elle a l'habitude avec Ruby et Austin, ils avaient plus d'argent. Mais je trouve que dans le petit cratère, là, ça lui correspond bien. Franchement, ça lui va bien comme maison. J'aime beaucoup. Tu veux venir à ma soirée costumée? Tu vas jamais croire le costume déguisement que j'ai choisi. Pourquoi pas? On peut y aller. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces costumes avec ton masque en plus? T'es magnifique. Ah oui, tu peux rigoler, tiens. Voilà, un peu en famille, c'est pas mal. En plus, t'as ton petit papa qui visiblement est malade. Pourquoi il est malade? Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année! Du coup, t'es au niveau 4, il faut que tu sois au niveau 5. Joyeuse fête, merci. C'est très gentil, à toi aussi. Tu vas venir voir ça, donc... On va mettre ça, non pas ça, ça tu le gardes, les fraises. Tu vas mettre les bananes, le lapin, l'éléphant. Non, pas tes devoirs, le... Ah ! Non, pas tes devoirs, le lapin et le dragon. Voilà, tu vas pouvoir installer les objets, t'occuper de la vente et commencer un vigrenier. Venez acheter, venez, venez. Pas cher du tout. À des primes, pas cher du tout. Alors, on va organiser un anniversaire. Donc, le SEMS qu'on célèbre, c'est toi. On va inviter, du coup, Jorel, Hugo, Lara, Cara, Lily, Lucas, Elsa. Oui, ma poupette est devenue toute grande. Donc, nous avons dit qu'elle sera ambitieuse. Le voici. Parfait, on va te changer un peu ta petite tête. Donc, voici notre petite Elia adulte. En quotidien, je la trouve trop mignonne. Elle est vraiment trop choupie. Je lui ai mis un peu de maquillage. Je trouve qu'avec ce rouge à lèvres et les yeux de sa maman, on sort bien. Donc, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée. Regardez-moi cette robe. N'est-elle pas sublime ? Sa tenue de sport que j'ai pas changée, dodo que j'ai pas changé, de fait que j'ai pas changé, je vais juste lui mettre
des petits tournesols. Voilà, je trouve que ça lui ira très bien. Le maillot de bain que j'ai pas changé, que je pense finalement mettre celui-là parce que je le trouve trop beau et je pense que voilà, ça lui va super bien. Le temps chaud et le temps froid qui ressemble un peu à sa maman, parce qu'après tout, c'est la même tenue. Donc voilà, je la trouve tout mignonne. Voilà, donc on va arrêter la fête d'anniversaire parce qu'elle est crevée. Avant d'aller dormir, tu vas trouver un boulot et après tu vas dormir. Oh, t'es déjà à niveau 3, c'est bien ça. Je pense que c'est par rapport à tes notes, c'est cool. Lucas, bonjour ma chérie, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non? Pourquoi il en fantôme? Pourquoi il en fantôme? Il est mort, Lucas! Non! Non! Mais c'est pour ça qu'elle est triste! Décès dans la famille, mais c'est trop pour ça! Mais pourquoi on me l'a pas dit? Regardez-moi ça, quand même, sa généalogie, ça va pas du tout, hein. Regardez, c'est tout mort! Oh, mais Christophe aussi, il est mort! Oui, promotion, super. Tu es chef de centre de commande, c'est-à-dire guider des fusées virtuelles, analyser les mouvements de points clignotants sur un écran d'ordinateur, faire des simulations. On dirait que toutes les heures d'Elia à passer à jouer aux jeux vidéo portent leurs fruits. Sauf que t'as jamais joué aux jeux vidéo, ma chérie. Mais bon, c'est pas grave. Oui, tu as raison, va dormir, ça te fera très du bien. Et c'est sur cette petite bouille qui dort que je pense on va s'arrêter. L'épisode a été chargé en émotions. Déjà parce que nous avons fini la génération 2 avec Ruby. Et ça, c'était super. On s'est occupé de notre petite Elia. Et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup trop de morts pour mon petit cœur. Austin est mort, Kalel est mort, Ruby est morte, Lucas est mort. Il y a qui aussi? Il y avait Sarah qui est morte aussi. Il y a Edouard aussi. Tout le monde est mort de toute manière dans cet épisode. Tous les amis qu'on a vus dans la génération 2 sont morts. Donc voilà, Elia a pris son envol dans une petite maison qu'elle avait vue. C'était très bien. Elle a toujours des problèmes d'argent, mais ça, je pense que maintenant. Tout le monde va en avoir, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on pourrait y arriver. On peut y arriver peut-être à gagner un peu de sous. Elle est déjà au niveau 4 dans la carrière, ce qui est bien. La logique avance pas mal aussi. Le bricolage aussi. La fitness est un peu court, mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est parfait. On va pouvoir s'attaquer à notre troisième génération. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Deg deg!